papa, j'ai raciste, ça haut, ça me dit que tu prétends. Pas calme. Je vais vous bloquer la sortie d'ailleurs. Le groupe, je le sens vraiment bien. Depuis une semaine maintenant, 10 jours, on travaille très bien. Tout le groupe arrive à assimiler toutes les combinaisons, toutes les phases de conquête. Donc franchement, je sens le groupe très concerné et très bien. C'est tous les joueurs en forme du moment en top 14, donc c'est des jeunes. Franchement, physiquement, ils seront prêts et on sera tous prêts. Là, on se rapproche, là, on n'est plus qu'à 5 jours du premier match. Donc, tout le monde commence à avoir un peu la pression, mais ça c'est bien, ça c'est des choses positives. On a hâte tous d'être au premier match et je pense avec ce groupe on peut réaliser quelque chose de beau. Ouais, exact. Ouais, droit, récupérer. Ouais, parfait. Allez, on se met. Ouais, allez, on essaie de faire le momentum, on essaie de mettre du rythme. J'avais jamais été capitaine d'une équipe professionnelle, quoi, donc. Franchement, c'est une grande fierté et je suis très content d'avoir ces responsabilités parce que moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais j'ai l'impression quand même que les autres joueurs m'écoutent. Donc franchement, je suis content d'avoir ces responsabilités et je vais tout faire pour le faire au mieux. J'ai des joueurs comme Titou, numéro 9, j'ai Louis Carbo, j'ai Joe Danti et puis les anciens comme Damien Penaud. Romain Tao et Teddy Thomas, ils m'aident bien sur tout ça et ils m'épaulent bien et donc ça fait vraiment plaisir. Crouch! Je l'ai su la veille du rassemblement, j'étais chez moi, en famille, avec des amis et tout le monde était très content. Au début, ils m'ont pas cru, mais après, j'ai dit si, c'est vrai. Et franchement, ils étaient tous émus et donc ça fait plaisir de leur donner ça. Je faisais juste les semaines d'entraînement, j'étais parti à l'entraînement, comme tu dis, et ouais, ça va très vite. J'ai eu la chance de pouvoir jouer à l'Automne Nation Cup et après enchaîner sur le tournoi. Donc franchement, ça veut dire que si les joueurs font une grande tournée, on ne sait jamais, tout est possible pour la Coupe du Monde 3. Il faut qu'on livre tous des grosses performances et après on verra bien les résultats. Si les Australiens sont plus forts que nous sur cette tournée, ben, tant mieux pour eux, mais on va tout faire pour rivaliser avec eux et faire une grosse tournée. Je suis derrière ton fond.